Mesdames et messieurs, c'est officiel, merci Anne Hidalgo. Elle autorise des bancs à 1000 faux dans les espaces publics, c'est incroyable. Un banc d'allaitement installé dans les rues de Paris pour briser le tabou de cette pratique en public. Donc c'est la marque Elvie qui va déposer ce banc. Est-ce qu'ils vont déposer cigare? Parce qu'il faut déposer banc et cigare. Parce qu'il y en a qui vont arriver, ils vont voir banc, ils vont faire du développé couché. Du développé, mais couché, hein, faut le savoir. Elvie va installer ce lundi 19 et mardi 20 juin un banc d'allaitement maternel dans 4 lieux de public de Paris. Afin de briser le tabou. Dans 4 lieux publics de Paris afin de briser le tabou et l'utilisation de tire-lait en public. Des tire-lait, qu'est-ce que c'est que ça? Du tire-lait. Ok, c'est pour aspirer le lait. Et après on fait du fromage, non? Le fromage qui nourrit. Au bon lait de brebis. Donc, Champ de Mars, ce lundi de 11h à 14h, puis de 15h à 18h dans le jardin des Tuileries. Ok. Hôtel de ville également, ça va être fou. Et c'est l'entrepreneur Tania Bollet qui va mettre ce truc en place. Le caractère totalement naturel de cette pratique. C'est un banc d'allaitement pour combattre les préjugés. Elvie entend donc démocratiser le fait d'allaiter en public et combattre les préjugés qui entourent cette pratique avec la mise en place de ce banc d'allaitement. C'est fou. Est-ce que c'est pas plutôt pour la passion du pognon, hein, pour vendre des bancs. Le premier tire-lait silencieux est 100% portable. Ah, une firme, voilà. Comme je l'avais dit, tous les chemins mènent au méga corpo. C'est la Elvie Pump. C'est un peu le shotgun pump, mais c'est autre chose. Cet accessoire permet de tirer son lait dans diverses situations, même dans l'espace public, en gardant les mains totalement libres. C'est un kit de main libre pour le booba, en fait. Mommy, I want meal. Quand je fais un cheat meal, c'est pas un cheat meal. Ça, c'est Bidon qui le dit quand il est un peu trop sénile, là, ça lui arrive. Plus compact, plus silencieux, plus intelligent, un tire-lait électrique ultra fin et portable. Faut pas le mettre sur sa brique, hein, ça va te tirer le lait, mais d'une autre façon. C'est totalement loufoque. Enfin bref, êtes-vous prêts pour les bancs à 1000 fousses? Nous sommes clairement pas prêts. Allez, à plus. À Bogus. C'est un rebond glucidique, ouais, mais de qualité. Bon, kuru kuru, kuru kuru, kuru kuru.